Alors que l'officialisation de l'arrivée de Vitinha est attendue par tous les supporters, l'OM prépare dans le même temps son déplacement à Nantes pour la 21e journée de Ligue 1. Un match à suivre ce mercredi à 19h sur Prime Video. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Igor Tudor, avant de faire le point comme d'habitude sur la dynamique des deux équipes, pour se faire une idée un petit peu plus précise du rapport de force, et de terminer sur les joueurs à suivre et les pronostics. N'oubliez pas de me donner votre pronostic pour Nantes-OM, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match comme d'habitude, et à la fin de cette analyse, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour OM Monaco. On commence tout de suite par un point sur la compo d'équipe. Lopez fera son retour dans le groupe d'après Tudor, et je pense qu'il retrouvera directement sa place de titulaire, à moins qu'il soit encore un petit peu juste. Si c'est le cas, Blanco jouera pour confirmer son très bon match contre Monaco. En défense, Tudor pourrait aligner un trio Bemba, Balerdi, Kolasinac, même si Gigot pourrait aussi débuter et qu'il ne démérite pas. Personnellement, j'opterais plutôt pour Kolasinac, qui est vraiment dans une très très bonne période. Chez les Pistons, Tavares débute probablement à gauche, et Klose va faire son retour dans le groupe et pourrait éventuellement postuler à une place de titulaire, à voir comment il se sent. Au milieu de terrain, on devrait revoir le duo Rongier-Verretout qui fonctionne très bien sur les derniers matchs. Sur le plan offensif, Malinowski et Guendouzi pourraient être à nouveau alignés ensemble, même si d'après Tudor, Unai pourrait aussi prétendre à jouer à ce poste derrière l'attaquant. Il sera dans le groupe, mais je serais surpris qu'il débute, sachant qu'il doit reprendre le rythme, mais on pourrait le voir quelques minutes. Sanchez, lui, débutera en pointe et sera le seul joueur à pouvoir jouer à ce poste-là pour la dernière fois, puisque Vitinha devrait bientôt être annoncé. On entre tout de suite dans l'analyse en commençant par le FC Nantes qui reçoit pour la 21e journée de Ligue 1. Ils sont actuellement 13e du championnat avec 22 points et les hommes de Comboiré ambitionnent de mettre un petit peu plus de distance avec les équipes de la zone de relégation. Ils sont sur une bonne dynamique en étant invaincus sur leurs 5 derniers matchs de championnat. Nul à 3, victoire 1-0 contre Auxerre à domicile, nul contre Lyon, victoire 3-0 à Montpellier et nul à Clermont 0-0. On peut ajouter les deux qualifications en coupe contre Vire et contre l'ES Taon. Et quand on regarde en globalité, on s'aperçoit que les Nantais marquent assez peu, mais qu'ils encaissent peu aussi. Pour le moment, ils ont 7 points d'avance sur la zone de relégation, mais dans une saison exceptionnelle à 4 descentes, aucune des équipes du bas de tableau n'est vraiment à l'abri, et ils sauront se satisfaire d'un point à domicile contre nous. Ça sera probablement une bonne opération pour eux. Sur le dispositif, Antoine Comboiré utilise principalement le 4-2-3-1, même si Nantes joue parfois en 5-4-1 ou en 4-3-3. Sur le papier, ils ont quand même un effectif intéressant. Ludovic Blas est capable de faire de grosses différences. Ils ont aussi fait venir Mostafa Mohamed de Galatasaray, Guessant qui avait montré de très bonnes choses avec Nice la saison dernière, Moses Simon qui apporte aussi beaucoup sur le plan offensif. Il y a de la qualité, mais cette saison ils ne marquent pas assez, mais savent se montrer solides derrière en encaissant beaucoup moins de buts que les équipes de la deuxième partie de tableau. Ils auront par contre plusieurs absents importants, on pense à Palois et à Merlin qui sont blessés, Castelletto qui est suspendu. Ce sera peut-être le moment des débuts de Joao Victor qui a signé récemment. Andy Delors sera lui qualifié, mais Comboiré a expliqué que le staff ne voulait pas se précipiter avec lui, et peut-être qu'il ne sera pas dans le groupe. On enchaîne sur l'OM qui n'a pas réussi à aller chercher une 9ème victoire d'affilée, mais qui a su rester invaincu après une première mi-temps où on a été totalement surclassé par les monégasques, et on a aussi joué un petit peu en dessous de notre niveau. On aurait pu espérer mieux en deuxième mi-temps, et il y a bien sûr le penalty oublié qui vient noircir le tableau, mais si on regarde le match dans son ensemble, le match nul est finalement assez logique, même si ça aurait pu basculer de notre côté en deuxième mi-temps. Contre Nantes, faudra mettre la pression d'entrée de jeu avec l'intensité habituelle, réussir à trouver Sanchez qui lui va certainement être galvanisé après son énorme match contre Monaco. Faudra absolument gommer les petites errances défensives qu'on a vues en première période dimanche, avec une défense qui a semblé totalement désorganisée par moment, mais le retour de Paulo Lopez va permettre de mieux structurer tout ça. C'est une équipe qui sait se montrer solide et faudra trouver la faille, faudra être inventif dans les combinaisons, et c'est aussi le genre de match qu'on peut remporter par une frappe de loin si leur défense est totalement regroupée. C'est peut-être le moment de briller pour Malinowski qui prend ses marques petit à petit dans le schéma de Tudor et qui a besoin d'enchaîner les minutes pour reprendre le rythme. Pour revenir sur l'équipe, j'ai beaucoup aimé la réaction contre Monaco, mais cette fois faudra aborder le match d'une façon différente pour prendre des points à l'extérieur et continuer notre marche en avant au classement. Il y a la possibilité de faire un gros coup s'il y a un faux pas de Lens contre Nice, même s'ils sont excellents à Bollard. Faut pas qu'on se plante parce que Monaco peut aussi revenir à 2 points en cas de victoire contre Auxerre, et Rennes pourrait aussi refaire un peu son retard s'ils battent Strasbourg et qu'on s'incline à Nantes. C'est un match hyper important, même si évidemment ils le seront tous d'une façon ou d'une autre d'ici la fin de la saison. Faudra quand même faire une grosse performance contre une équipe qui peut poser des problèmes et qui sait faire des clean sheets. On passe aux joueurs à suivre en commençant par le FC Nantes. Alban Lafont est évidemment un joueur à suivre avec attention, parce que c'est le genre de gardien qui sait se montrer décisif, qui rapporte des points à son équipe, et ça peut être compliqué de le prendre à défaut parce qu'il est capable de sortir le grand jeu. Offensivement, je vais citer Ludovic Blas, qui sait faire de grosses différences, qui apporte beaucoup offensivement dans un rôle de meneur de jeu. C'est clairement l'une des grosses forces offensives nantaises, et il peut faire la différence par un geste de grande classe. Dernier joueur que je vais citer,
cité, c'est Moses Simon, qui est aussi très précieux pour le collectif nantais, l'un des meilleurs joueurs très probablement sur les dernières saisons nantaises, 5 buts et 2 passes D sur ce début de saison, mais c'est un joueur qui apporte une vraie plus-value offensive à l'équipe de Comboiré. Côté marseillais, je vais citer Leonardo Balerdi, qui a débuté sur le banc contre Monaco, mais son entrée a vraiment changé la donne, hyper précieux par ses interventions, toujours bien placé et serein à la relance, il devrait débuter contre Nantes, et au vu des 6 derniers mois qu'il réalise, c'est une super nouvelle. Malinovski sera aussi à suivre, comme on l'a dit, il cherche un peu ses repères et c'est totalement normal, il enchaîne les minutes et ça va lui permettre de reprendre le rythme avant d'être opérationnel à 100% et d'être à son meilleur niveau, un petit but lui ferait du bien et pourrait clairement lancer son aventure olympienne. Dernier joueur à suivre, Alexis Sanchez qui sort d'une performance XXL contre Monaco en étant omniprésent, en grattant beaucoup de ballons et en étant inspiré dans le jeu sous pression, déjà buteur dimanche, il aura à cœur de marquer pour ce qui est peut-être l'un de ses derniers matchs dos au but avec l'arrivée prochaine de Vitinha. On passe au pronostic, et pour le coup je vais être plutôt optimiste tout en restant quand même assez prudent, je vois pas une victoire fleuve de l'OM mais je vais quand même miser sur une victoire marseillaise 1-0, je m'attends à un match assez cadenassé où on a le ballon mais on a du mal à débloquer le match, et une décision qui se ferait finalement en deuxième mi-temps, si on marque assez rapidement ça va les obliger à se découvrir, en tout cas l'important c'est de prendre 3 points pour continuer d'avancer au classement, un match en milieu de semaine c'est jamais simple, d'autant plus quand c'est un déplacement, mais quoi qu'il arrive faut lâcher le moins de points possible. Pour le pronostic buteur, je vais dire Malinovski pour le but de la victoire contre une équipe nantaise bien regroupée derrière et qui va jouer prudemment pour pas qu'on les punisse en transition rapide. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs du match contre Monaco. Bien joué à Robin C, Ivar Smilga, David Petiteville, Professeur Sky, Dimitri Gotesque et Anonymadi qui ont trouvé le bon prono. Merci à tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match et n'oubliez pas de pronostiquer Nantes-OM, on découvrira les vainqueurs à la fin du prochain avant-match comme d'habitude. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a mis dans le bain pour ce match qui est quand même très important. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, écrivez OM dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de présentation de Vitinha qui est sortie en début de soirée. On revient sur son parcours depuis ses tout jeunes débuts, sur son profil et ses qualités, et on se demande si l'OM a vraiment réalisé un coup XXL sur le mercato d'hiver. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé pour ceux qui l'ont pas vu. Je vous souhaite à tous un très bon match en espérant les 3 points pour ce déplacement à Nantes. 3 points qui pèseront évidemment dans la course à la Ligue des Champions, mais aussi peut-être à la course au titre. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.